We are rockets pointed up at the stars. Oh là là, qu'est-ce qu'on avait hâte de se voir. C'est très drôle, elle est très drôle sur scène comme dans les coulisses. C'est très agréable de travailler, toujours de bonne humeur. Et non, je m'en lasse pas. Alors papi, mais que passe. Les gens qui sont avec moi depuis le début, c'est une famille avec qui j'ai vécu beaucoup, beaucoup de belles aventures. On a des petits rituels avant le spectacle. On aime toujours se rencontrer avant, se faire un petit cri de ralliement. Et avec les danseurs aussi, on se fait un petit cercle d'énergie. Cette fidélité-là, j'en suis très reconnaissante. On se connaît dans la joie, on se connaît dans les peines, on se connaît dans les difficultés. Ça rend la chose beaucoup plus agréable. Pour moi, c'est important qu'on retrouve les couleurs de l'époque. Céline Dion, pour sa comédie musicale, pour moi, c'était important qu'on sente un peu le Vegas autour de nous. En gros, le spectacle, c'est un spectacle qui est très exigeant physiquement. Il y a des chorégraphies très rapides parce que je ne veux pas laisser le public. Je fais rire les gens, je suis dans les émotions. Vocalement, il y a beaucoup de chanteuses. Il y a des moments où je cours beaucoup. Si je suis pas sur scène, c'est que je suis en train de boire de l'eau et de faire une transition. Et courir avec des talons hauts, ça complexifie la chose aussi. Quand on a... En 2019, je pensais jamais dire que la tournée allait se terminer en 2024. Le après-COVID, c'est là où je dois faire en sorte que les gens oublient encore plus, d'avoir l'impression de prendre soin d'eux, oublier le quotidien et de leur donner du rêve. Et le public me le rend bien, hein, cela dit, parce que je sens qu'eux aussi en ont besoin. C'est un bel échange parce que c'est important.